Chers amis, aujourd'hui nous sommes au 14e jour du carême. En Marc chapitre 5, le verset 15, nous lisons « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la lésion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. » Notre méditation se portera ce matin sur le chapitre 5 de l'évangile de Marc, versets 1 à 20. Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens. Et à peine est-il descendu du bateau qu'il se retrouve face à un fou furieux. Ce n'est pas un fou ordinaire. Marc va dans les moindres détails, décrivant avec force et vivacité la tragédie de cet homme dont l'esprit torturé l'a poussé à se lacérer avec des pierres et à terroriser la localité avec des cris violents qui n'ont jamais cessé de jour comme de nuit. Toutes les tentatives pour le contenir avaient échoué. Et pourtant, il y avait de la tendresse dans cet homme tourmenté. Dès qu'il vit Jésus au loin, il courut et l'adora. Lorsqu'il s'agit de reconnaître Jésus, ce sont les fous qui sont bien en avance sur les normaux. Contrairement au reste d'entre nous, ils n'ont ni le temps ni la possibilité de développer une double vie. Ils ne se construisent pas un visage public pour dissimuler une réalité inférieure. Le fou craignait aussi Jésus pour ce qu'il pourrait faire. Il était tourmenté mais redoutait d'autres tourments dans la furieuse bataille qui pourrait faire rage en lui si Jésus tentait de le purifier. C'est la tragédie de notre condition chaque fois que nous sommes acculés par le péché. Nous sommes des âmes tourmentées, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas prier, et nous redoutons la lutte violente que la pénitence et le pardon exigeraient. Nous voulons que Dieu, notre seul espoir, s'en aille, s'éloigne. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quand Jésus lui demande son nom, la réponse est du pur pathos. Cela résume non seulement la tragédie de la condition de cet homme, mais la tragédie de toute la nature humaine. Piégé dans 101 variations dans l'emprisonnement, en attente de libération. Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Pour chacun de nous, il y a trop de personnes à l'intérieur qui luttent pour sortir de notre personnalité divisée. Le mois de la nuit veille quand je ne peux pas dormir. Le mois de mon heure de gloire. Le mois que même moi, je ne peux pas admettre. La solution de Jésus est quelque peu inhabituelle et ne peut être recommandée dans la plupart des cas. Près de l'endroit où Jésus est le possédé, parlé, un grand troupeau de porcs se nourrissait. Et Jésus a accédé à la demande de l'homme que les esprits impurs y soient bannis. C'est-à-dire dans le port. La preuve que le transfert est réussi, c'est quand les animaux tourmentés se sont jetés en avant par-dessus les falaises dans la mer. C'était une formidable façon de lancer une mission dans un nouveau territoire. Naturellement, ceux qui les faisaient paître retournèrent en ville pour donner l'alerte. La population locale se précipite alors pour voir ce qui s'est passé et est étonnée de trouver ce fou notoire assis là, discutant avec Jésus. La foule est consternée, mais également effrayée. C'est trop pour eux. Il se passe des choses ici qui sont profondément troublantes. D'une manière plutôt retenue, compte tenu des ravages que Jésus a causés à l'économie locale, ils demandent respectueusement que Jésus s'en aille. La question pour nous ce matin, dans quelle partie de ma vie ai-je peur que Dieu se rapproche pour me réconforter? À quel moment est-ce que je demande à Jésus de passer son chemin? Dans quelle partie de ma vie ai-je peur que Dieu se rapproche pour me réconforter? Et à quel moment
est-ce que je demande à Jésus de passer son chemin? Prions. Père, sauve-moi des prisons de ma vie que je me crée, afin que revêtu de ton esprit avec la pensée du Christ, je sois en paix avec toi et avec moi-même. Amen.